Et 73-51, les stations en fréquence de la part de Dundee 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Et côté circulation, il y a du monde, il y a du monde, mais c'est tout cuillerou pour le moment. J'entends moduler dans le lointain là, mais il y a tellement de QRM là sur le pont d'Aquitaine qu'impossible de savoir si c'est du français ou pas. Ah, chi, trois coups. Oui, Daniel, oui, les bonnes 73-51, toi. Bon, mon frère, mon petit Rémi. Oh, je viens de récupérer mon TR-150, ça y est là. Putain, c'est bon ça. Et là, en plus, moi, je suis largement en avance. J'embauche à 17h, là où tu devines. Ah, ok, d'accord. T'es parti pour la nuit, là? Ouais, jusqu'à 6h demain matin. Ah, ok. Bon, ben alors, demain matin, je te réponds. Ou alors, peut-être. Puisque j'embauche à... Ouais, non, je pars à 7h dans la maison. Donc, peut-être que je te écouterai un petit peu, alors. Ah, peut-être, ouais. Ah oui, c'est possible, hein. Tout dépendra, quoique à cette heure-ci, ça roule. Tu m'entendras ouvrir ma grande gueule sur le sur le pont d'Aquitaine. Bon, c'est ce que j'ai fait, là, encore, là, tout à l'heure. Ben là, je viens juste de rentrer, là, de chez Christophe, hein. Voilà, je viens juste de rentrer. Là, il y avait une WM de Gourdon, là, du Lot, là, qui était chez lui, là. Ah d'accord, ben vendredi dernier, c'est un ON de Bretagne, je crois, de ce côté-là, qui est venu récupérer un poste chez lui. On l'a sur le groupe Facebook, dans la liste des modérateurs. Mais ben, du coup, j'ai pas pu aller le voir. Il m'avait dit qu'il me tiendrait au courant pour quand il irait là-bas. Il m'a tenu au courant au moment même où il était à l'intérieur. Et en plus, ça s'est passé au même moment où j'avais quelques trucs à voir, là, justement, au niveau de Facebook. Des nouvelles règles qu'ils mettent en place, ceci, cela. Donc, il a fallu que je saute dessus, que je vois les paramètres, et ainsi de suite, pour pas que ça devienne un foutoir, et je t'en passe des murs et des pas murs. Donc, du coup, j'ai pas pu aller le voir. Ok, bon, ben écoute, voilà. Donc, oui, il m'a appelé ce matin, là, pour me dire qu'il était prêt. Et bon, j'ai oublié le brochet de la voiture, mais bon, donc, c'était pas la puissance du poste, de la batterie, c'était pas assez ouverte. Alors bon, j'ai dit tant pis, c'est pas grave, je relève cette ligne-là, et puis, voilà, je remettrai en fixe, voilà, donc c'est pour ça, là, je faisais quelques essais avec le, sur la BLU, et puis bon, j'ai dit, je vais voir sur le 585 si tu étais derrière, et puis ça tombe bien. Ah bah oui, tu m'étonnes, là je suis sur Mérignac, là, un peu en extérieur, pas loin du pro. Hein. pas loin de Martignas non plus d'ailleurs. Ah chi. Ouais, ben tu vois, j'aurais appelé plus tôt, peut-être que je serais passé te voir, alors te faire un petit coucou. Parce que j'aurais appelé plus tôt sur le 10. Si, pourtant j'ai appelé sur le 19, en portant chez lui, il me semble. Voilà, bon, ben écoute, c'est pas grave, je vois qu'il fonctionne. Bon, de toute façon, il m'a dit, il n'y a pas... Ah oui, il y avait quand même quelques dégâts, hein. Ouais, quand même. Je t'ai pas entendu appeler sur le 19, pourtant, j'ai pas quitté le 19, là, de la route. Ou alors, si, peut-être 5 minutes pour aller en sup pour voir que ben, c'était beaucoup plus animé du côté des 40 canaux que du côté des sup. Mais bon, ça a duré quoi, le temps de faire un aller-retour? Ouais, c'est suffisant pour que tu appelles pile poil à ce moment-là, en plus. Ok, voilà, bon, du coup, c'est pas grave. ouais, donc, oui, t'es arrivé bien en avance, parce que si c'est pour 18h... 17h, j'ai dit 18, non, c'est une erreur. Je débauche à 6h, j'embauche à 17h. Là, je suis parti pour 13 heures de vacances, là. C'est bon, ça, là, au moins, je me déplace pas pour rien, pour le coup, là.
Bon, ben là, je servais le micro sur pied, là, je servais le NC80. Voilà, je servais le NC80, là, le micro sur pied, et puis, j'ai le micro manuel, là, il est à côté, là, j'ai tout rebranché, voilà. Voilà, ben, il y avait la pile, donc il a chanté, là, parce que le système qu'il avait, là, de la pile, ça ne se fait plus, donc il a chanté, et il a modifié, plus il y avait un composant là qui n'est pas plus gros que... Oh putain, tu vois ça, c'est un micro-composant que t'es foutu. Voilà, donc... tout est rentré dans l'ordre. Ah ouais, d'accord, il y a quand même eu du dégât dedans, quoi. C'est le poste que je pense, le petit dégât que je pense, ou c'en est un autre? Le petit dégât là... Que j'ai retenu. Oui, voilà, dont des pièces tenaient avec un cure-dent à l'intérieur. Ah ben elle est foutue, hein. Elle est foutue. Voilà, donc ça c'est dit. Lui, tu vois, ben, il a fonctionné, mais bon, c'est du dur, hein. Et maintenant, il m'a dit, ben, dans 5 ans. Ah merde, c'est con pour le cure-dent qui soit foutu, là. Voilà, ok. Il a changé, il a ouais, c'est quoi? Un pré-driver. Et tu verras comment c'est gros, c'est minuscule. Ouais, tout est miniaturisé aujourd'hui. Hein. J'imagine bien le truc, pas plus gros que. Enfin, si peut-être une tête d'épingle environ, quoi. Ah ouais. Tout à fait, voilà. Il y a encore cette épingle, oui, on va dire ça comme ça, oui. Ah ouais, d'accord. Bon, en tout cas, le principal, c'est que là, maintenant, tu sois tranquille avec ça. Tiens, à ce propos, hachi trois coups de la personne que je pense que tu penses, que nous pensons, hachi a tenté un petit rapprochement. Sans autorisation, quoi que ce soit. Aïe aïe, il s'est fait tirer à vue, quoi. Normal, hein. Qui cherche trouve, hein. Un rapprochement avec qui? Avec le groupe ou avec toi? Non, un rapprochement avec les kilomètres. Ben oui, on a un groupe qui bouge, qui est très actif, ça attire les convoitises. Alors quand certains vont même jusqu'à dire qu'ils ont fait un partenariat et tout, ceci, cela, quoi. Quand j'ai dit ça à Joël, je peux te dire qu'il a sauté au plafond, il s'est accroché au rideau, il a fait Tarzan avec. C'est non. Non, ça ne marchera pas comme ça. Il a eu raison. De toute façon, j'avais laissé un mot là-dessus, moi, donc je l'avais prévenu aussi, Joël. Oui, non, mais c'est... De toute façon, bien sûr qu'on s'y attendait, quoi. C'est logique. C'est... Quand quelque chose fonctionne, ça attire les rapaces, hein. C'est... voilà. Tout à fait. Au fait, j'avais laissé quelques cartes, là, tu sais que tu m'avais donné l'autre jour au chantier, là. Je lui en ai laissé quelques-unes, comme il y en avait presque plus, alors dans le lot que tu m'avais laissé, j'en ai laissé. Ok, merci chef. Ça c'est pas mal, ça c'est sympa, merci. J'ai dit qu'il y en avait presque plus, il y en a quelques-unes. Comme la semaine dernière, là où il y a 15 jours, en fait, je suis allé pour voir s'il était prêt, j'ai vu qu'il y en avait presque plus, là il y en avait un peu moins. Donc j'ai dit, attends, je vais en prendre quelques-unes dans la voiture, là, et puis... lui est déposé, voilà, donc comme ça il y en a un peu plus. Ok, merci. Au fait, là je suis en train de faire une petite vidéo, donc je m'en occuperai demain, hein. J'ai pas ce qu'il faut avec moi là, de toute façon là. Ou alors si j'ai ce qu'il faut avec moi, mais ça me fera une vidéo beaucoup trop grosse, je préfère l'autre PC pour ça. Et tu verras ce que ça donne au niveau modulation. Alors là, comme ça, en AM, c'est excellent. Le micro n'attrape pas les bruits environnants, rien. Bon, je connais ta voix. Là, on va dire que ça l'étouffe un petit poil.
Mais c'est pile comme il faut, il faudrait pas plus ni moins, c'est super là pour moduler. Ok, bon, ben là tu vois, entre temps je viens de changer de micro là. Voilà, là j'ai pris le micro en main, donc tu vas faire le rapprochement, enfin, tu vas pouvoir dire quel micro tu préfères par rapport à l'autre. Là je suis avec le micro manuel là, hein, donc le micro d'origine du poste, et tout à l'heure j'avais le MC80. Ok, et eh bien là c'est moins appuyé, plus aigu. Je préfère l'autre. Ah oui, il n'y a pas photo, je préfère l'autre. Ok, voilà. Bon, ben, c'était juste un petit. Voilà, c'est, puisque c'était la vidéo, comme ça il y aura le changement, enfin, il y aura la modification. Voilà, donc on verra ça. Voilà, bon, mais j'enlève le micro le temps que tu parles, et puis il faudra que j'aille voir là pour la pompe, parce que madame m'a demandé de regarder pour la pompe, là, pour un fauteuil, là, pour mettre à la piscine, parce qu'alors, on s'est baigné là tout à l'heure, je te dis pas, 26 degrés l'eau de la piscine. La vache. Et là, dans le pouls, j'ai quoi? Bon, vu que j'ai pas mal roulé, j'ai la voiture là qui est grand ouverte, là, sur le bas-côté. J'ai 38, là. Ouais, ben ça m'étonne pas trop, quoi. Ah, ok, bon, mais non, mais ça m'étonne pas. Voilà, ça y est, là, je suis revenu avec le micro de MC80L. Ah ouais, c'est beaucoup plus propre, plus appuyé, un peu plus compressé. C'est nettement mieux, là. Ah, il n'y a pas photo, hein. Ok, voilà. Bon, ben là, en plus, ben là, il n'y a pas de vie, c'est le décal. Voilà, donc, enfin, bon, ça va me changer aussi au niveau de la réception, puis je vais pouvoir refaire un peu des trucs sur les bandes de décalé, juste tout ça, là, ça va changer un petit peu. Ah ben, ces jours-ci, ouais, j'ai rallumé le DK, je suis allé écouter sur les bandes basses, comme ça, là, à droite, à gauche. Ah, en ce moment, sur les bandes basses, j'ai un espèce de QRM à 7-8, c'est short pour écouter quelque chose. J'ai voulu écouter, là, beaucoup plus bas, là, sur les 1 méga et quelques, je sais plus combien, les radiodiffusions, alors là, pour le coup, c'est complètement fermé à cause de cette saloperie de QRM que j'ai, ouais. Et, ah ben tiens, après-demain, oui, je crois, après-demain, on doit être le 16, je crois, si je me trompe pas. Je sais plus, ouais, bon, bref, après-demain, ils viennent m'installer la fibre chez moi. Donc, adieu la DSL, vive la fibre avec un débit nettement supérieur. Je vais passer de quelque chose comme de 3 mégas quelque chose, enfin, paraît-il que j'ai au moins 3 mégas et quelques, à 300 quelque chose, autour de ça. La vache, je vais même pas avoir le temps de toucher la souris, que ce que je veux faire sera déjà fait avant que je le décide. Ah, chi. Ouais, ok. Ouais, par contre, tu prends le maximum, hein. Prends le maximum de débit pour toi là-bas. Parce que vu que ce que tu fais, les vidéos et tout ça, il vaut mieux que tu prennes un maximum de débit. Voilà, tu demandes un maximum de débit. Moi, j'ai pris que le débit moyen. Puisque je fais que de la bureautique, je ne fais pas de grosses vidéos, je ne fais rien du tout, je ne fais pas de jeu, tout ça. Mais toi qui fais de la vidéo, prends le grand débit. Hein. Ouais, mais tu sais, là, je vais te dire déjà, là, je vais passer de 3 mégas quelque chose à 3,5 quelques mégas en débit moyen, c'est déjà pas mal. Si je ne vois pas la différence, ça m'a la peur. Le haut débit, le prix est vachement plus élevé, hein. C'est pas gagné là. Ouais, bon ben écoute, de toute façon, hein, ouais, c'est un bon fait après tout. T'es libre de choix de ton aventure. Voilà, ben non, c'est bien. Donc moi l'armoire de la fibre, je l'ai à 30 mètres à la maison, hein. 30-40 mètres au maximum, quoi, puisque quand tu sors de la maison. Je l'ai aussi droit à droite, là, à l'angle de la rue, là. Donc, tu vois, hein, elle est au pied du terrain de ma coiffeuse. Ouais, enfin, le boîtier de branchement, mais après, le central, lui, de mon côté, je ne sais pas où il est. Pour le téléphone, donc, la DSL, je sais qu'on était hors zone. C'était garanti, je crois, si je me souviens bien, à 4 km, un truc comme ça, et on doit être à 6. Là, pour la DSL, le central, lui, je sais pas où il est. Ok, bon, ben écoute,
Étant donné que tu es dans le centre, normalement, l'armoire doit pas être loin. Hein, donc tu vas être aux alentours de 500 mètres de l'armoire principale, toi. Hein, puisque normalement, l'armoire est dans le centre-bourg du village. Oui, non, mais ça, l'armoire qui dispatche après chez tout le monde est juste en face de l'église. Donc, ça fait quoi? Ça va faire 50 mètres. Tiens, les papas 22 qui viennent passer à côté de moi. Ça doit faire à peu près 50-60 mètres. Ouais, 60 mètres, allez, à la louche. Et mais bon, ça, c'est qu'un boîtier de dérivation, on va dire. Tu penses que du matériel qui a des trucs qui permet de booster la DSL en même temps à l'intérieur? De toute façon, c'est l'armoire principale. La fibre reste la fibre. Donc que ça soit à côté. Alors attends, je vais me mettre le petit ventilateur, je ne sais pas si tu l'entends ou pas là. Est-ce que tu l'entends le ventilateur? Bah, j'ai pas senti de différence. Maintenant, c'est vrai que j'ai tout qui est ouvert, les voitures qui passent à côté. Mais bon, je ne l'ai pas senti en tout cas. Il m'a pas fait d'air plus que ça. Hachi. Voilà, j'ai mis le ventilateur là pour refroidir un petit peu le boss parce que comme il fait pas froid dans la salle, là, le chef radio, hachi. Voilà. Bon, ben écoute, tant mieux pour toi là, mon petit Rémi. Tant mieux pour toi. Bon, ben c'est quand là? C'est jeudi là. Je suis allé chez. Olivier là-bas, à Gaillon, dans le Médoc, là. Oui, suite au message perso, oui. Voilà, j'ai récupéré le rotor, et puis il m'a filé une petite antenne, là, aussi, là, le président, là, vraiment le carte d'onde. Voilà, j'ai deux torsettes, il m'a filé quelques petits trucs. Ok, d'accord, c'est bon ça. Ah oui, bon, mais en plus, je me suis réparé là. J'avais un torsette Yezou là que je me suis réparé là. Donc, c'est vrai que j'ai pas de torsette là. Donc, je vais le mettre sur le. Faudra que je le mette sur le T50 quand même. Voilà, en vision. Parce que j'avais sur le. Sur le 7000 mètres, c'était du direct, parce que là, comme là, j'ai rien, donc je vais laisser le torsnet en visuel, là, en série, quoi. D'accord. C'est vrai que... Là, sur le push, ben, je suis en train de contrôler, même. Ah, ben, j'ai 1-1. Donc tu vois, mais j'ai toujours pas réglé mon problème d'en base, j'ai toujours pas commandé. Quand ça traîne vraiment de mon côté. Putain la vache. Donc du coup là je suis toujours sur en base perçage avec matcheur derrière. Hein. Mais bon je vois là au niveau du taux je suis à 1-1 donc là c'est bon. Ça suit. Au QIRA, j'ai en sortie du poste. Effectivement j'ai le tosmètre wattmètre hein, en plus du tosmètre incorporé. Et c'est plus pour être sûr de la puissance de sortie là au niveau du poste. Bah ok, bah ouais, non mais là il faudra que je regarde ça aussi. Mais je crois que là, le T50 ce n'est pas équipé de tosmètre. Je crois pas. Il faudra que je relise la boucle que j'ai là, il faudra que je voie, mais je pense pas qu'il est équipé lui de tosmètre. Ouais, j'écoutais, ok d'accord. Oh tu penses un poste comme ça ne pas être équipé de tosmètre? Oh, tu dois avoir ça, je pense, dans les menus. Ouais, ben, faut que je regarde les menus, alors. Ouais, c'est vrai que c'est chiant, ces postes, là, avec menu, sous-menu, et ainsi de suite, c'est pas évident. Et c'est vrai que... je crois que c'est sur le Lincoln 2. Par défaut, c'est pas le tosmètre, il me semble, qui est mis en marche. Il faut faire une petite manip pour l'avoir. Si je me souviens bien, il faut être en émission et appuyer sur le bouton de... Alors c'est lequel indique CAL. Si je me trompe pas, ça doit être quelque chose comme ça. Quoi. Ah ok, d'accord. Bon, mais écoute. Oh putain, je te dis pas la chaleur, comment je transfère là dans le chèque radio là. Je te dis pas. Hein. Voilà, c'est l'heure, il est 5h20. Oui, en plus ça bientôt être l'heure du médicament. Ok.
Bon, faut que j'y aille. Moi, je vais essayer de retrouver cette pompe là pour passer les sièges là, pour mettre à la piscine là. Et si vous mettez encore bon, on va retourner un petit peu à la piscine là, parce que ça fait trop chaud là. Ça fait vraiment chaud là. Tu m'étonnes, c'est vrai que là je suis en train de réaliser l'heure. Il va falloir que j'y aille. Puis en plus je viens de recevoir deux SMS, là, un nouveau SMS, je veux dire, là, de la voix des ondes. Donc il va falloir que je me mette en route. Tu verras sur le groupe Facebook, les autres m'ont encore cassé des pistes froides qui m'ont fait pisser bouillant pour le coup. Voilà, Hachi, c'est quand tu as des gens. Qu'il ne faut surtout pas appeler Sibis parce que ça risquerait de les insulter, qui viennent te dire comment tu dois respirer, manger et ainsi de suite sur Facebook, au bout d'un moment ça devient lourd. Hein. Donc là, je me suis un peu lâché là tout à l'heure. Là tu verras ça. Allez, là, faut que je me mette en route. Je regarde vite fait ces messages et je m'en vais au pro. Les 73-51 à toi Daniel, merci pour ce QSO et amuse-toi bien, à plus. Ok, merci Rémi. Allez, 73, oui. La station là, qui était arrivée là, même matin que moi là-bas chez Christophe, là, c'est 14 CRS, je ne sais plus combien là. Je laisserai un mot tout à l'heure là, sur le groupe SRS et puis sur le groupe aussi là, pour le saluer. Voilà, il est sa dame. Voilà, il est venu déposer 1, 2, 3, 4, 5 postes là, chez Christophe. Hein. Alors c'est pour te dire, oui, par contre, il a le Lincoln 2 aussi, sur son Lincoln 2, il a le problème du décalage, il a tendance à se décaler, alors fais attention. Ouais, voilà, je me suis mis en route. Mais tu sais, tous les postes mobiles, tous sans exception en mobile, naviguent un petit peu en fréquence. Maintenant, ça dépend dans quelle mesure, parce que t'en as qui sont vraiment trop tatillons, qui vont chipoter pour des miettes, alors que, moi, pour ma part, quand je vois quelqu'un de décalé, je joue un peu du clarifieur. Peut-être que c'est moi qui me suis décalé, ou peut-être que c'est l'autre qui est un peu décalé, peu importe. Hein. Mais c'est vrai qu'avec les gens à utiliser de plus en plus des décamétriques, elles sont devenues un peu trop tatillons sur le calage en fréquence. C'est pas une critique, c'est plus un constat. Ouais, tout à fait. Bon, ben voilà. Donc il a emmené tous ses bons, ça fait toute une collection là. Voilà. Bon, ok. Voilà, je suis demain mardi, mercredi et jeudi, je suis sur la Brède. Hein. Voilà, je suis sur la Brède. Donc en journée, hein. Voilà. Et vendredi, ben, je serai au QRA. Voilà, donc il se peut que vendredi, ben, je viens de faire un tour à 18h et 21h. Je vais voir pour le QSO et si tu travailles pas. Ok, bon, ben, je suis rendu sur le site. Je te laisse les 73-51. Amuse-toi bien, à plus. Ok, très bien. Salut Rémi, et merci encore. Ah, merci toi aussi, bye bye. Du monde ce 28, il est 6h10 du matin, à cette heure-ci pour circuler, c'est agréable. Attention la Bennett ou Vega 33 pour Dandy 33 qui vous appelle. Joli le 90.
complètement d'accord. 70 même. T'as son Nico Christophe pour Dundee 33 qui vous appelle. Là aussi c'est trop loin. Tant pis. Tiens. Là aussi il y a du monde. Le matin comme ça il y a du monde partout. Là. Eux aussi, on les entend. Pourtant, là, c'est le désert sidéral à cette heure-ci. Quoique, ça va rien dire. Des fois, la propague est déjà là. Et 73-51, les stations fréquences de la part de Dundee 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Et côté circulation, c'est tout cuiro. Merci les 73-51, bonne route.
pourtant juste avant, on pouvait croire qu'il n'y avait personne dessus, mais pourtant si. Attention, VK33 pour Dindé33 qui t'appelle. Attention, VK33 pour Dindé33 qui t'appelle. N'importe quoi. Quand on regarde pas dans son rétro. C'est trop loin. Ah, là c'est étranger. Pas hésiter à se balader partout sur les canaux, on trouve forcément du monde. C'est en moins 20. Oh, ça sent la propax. Ben zut. Non, mais c'est pas. En fait, c'est quoi, c'est la nouvelle.
Hey, c'est Daniel. Ok, d'accord. Bon, ouais, salut Daniel, je sais pas, je m'en étais dans la plateforme, j'ai mis 4 pâtes à tortillas, j'ai bu le café, il joue chacun à son niveau. Ouais, 7h15, 7h20 pratiquement. Une sœur magnifique, il nous faut qu'il nous aussi plus fort que lui, l'autre, non, l'autre il ferme sa bouche, on prend un colis, mais alors le blanc, putain, il est qu'à truc chier, un petit à se gueuler. Il doit être sur la route. S'il y a du monde. Ouais, ça va bientôt, mais pour l'instant, il est bon. Ouais, c'est clair, c'est sûr. Ouais, c'est câble, hein, bon, c'est normal, c'est en mobile, ça peut être 4, 2, 4, 5, ça dépend, signal 5, 6, 7, ça monte, ça dépend, ouais, comme tu roules, c'est tout à fait normal, mais la radio est bonne. Bah, et bon courage à toi à la prochaine, ça va, il a pris dans la route.